Bonjour les copains et les copines, alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Fort Sauvage. Attendez, avant de présenter, de lancer le court-métrage et tout, avant de faire les présentations, je voulais vous dire que vous savez, il y a Fort Cinéma, Fort League, Fort City, Fort Navy, Fort Vie, il y a eu Fort Cinéma Trou Noir quand Fort Cinéma était dans Trou Noir. Il y a plein de séries. Et du coup, en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Konoha Leo. Qui a créé une nouvelle série qui s'appelle Fort Ward. Et du coup, d'un coup, quand j'ai vu ça, ma tête vraiment me disait, vas-y, fais une nouvelle série. Du coup, avec Chico, aujourd'hui on est avec Chico. Yo. Voilà. Par contre. Enfin, je m'entends dans ton micro, du coup je te mute le temps que je parle. Ma tête me disait, vas-y, crée une nouvelle série. Du coup, ça m'a donné envie de créer une nouvelle série. Et du coup, avec Chico, on a cherché pendant quelques minutes, hein. Ça fait même pas longtemps qu'on a cherché, on a cherché vraiment quelques minutes, et on a trouvé. Alors, je vais vous spoiler une future série que peut-être on va faire. La future série, peut-être que ça sera Fort Bleuvage. Du coup, ne volez pas l'idée, je vous jure, je m'en fiche. S'il y a un youtubeur dans cette vidéo et qui dit « Ah ouais, je vais faire Fort Bleuvage », je m'en fiche. Dans tous les cas, si quelqu'un me vole cette idée, je la fais moi aussi, je m'en fiche. Je vois quelqu'un qui s'appelle, qui s'appelle quelque chose. Et s'il y a marqué Fort Bleuvage, je m'en fiche. Je fais un court métrage Fort Bleuvage, je m'en fiche. Je vole l'idée. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a volé. Mais bon. Si quelqu'un me vole l'idée, je vous jure que là. Du coup, dans ce court métrage, les deux personnages principaux de Fort Sauvage seront Lara Croft, parce qu'elle est vraiment sauvage. Lara Croft et Maëlle, parce que Maëlle c'est un skin sauvage. Du coup, je vais démuter Chico. Juste un truc à te dire. Quoi? Tu vois, imagine, il y a un mec là qui te vole, tu voles ses idées de court-métrage que t'as pas fait. On commence le court-métrage, c'est bon, t'inquiète. Ouais, ben. Dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui te vole l'idée, je reprends direct Fort Bleuvage. M'en fiche. Du coup, t'es prêt? Oui. J'ai failli dire t'es prêt. Attends, je déteste Fortnite, juste pour un truc. Pourquoi ils mettent les bruits de moustiques? Ah, je déteste. Après, j'ai l'impression qu'il y a un moustique dans mon oreille. En plus, j'aime pas le bruit des moustiques. Ok, bon, du coup, les copains, les copines, bon visionnage. Maëve. Ouais. Bon. On a toujours pas trouvé de sanglier. Ou de loup. Il faut qu'on trouve des sangliers et des loups. Ok. Oh. Je trouve pas de loup dans cette forêt. Je pense qu'il y a des loups. Mais voilà quoi. Mais ça fait des heures qu'on cherche et on n'en trouve toujours pas. Faudrait partir d'ici. Et chercher dans les autres environs. Ici, il n'y a que des grenouilles. Oh, rien d'autre. Je fais une fois à l'arc. J'ai des flèches. Oh, une grenouille. C'est parfait. Tuons là. Ah. Tellement facile à tuer, mais c'est coriace. Ça va trop vite. Oui. Attends, ça. Faut être discret. Waouh. Oh, mais c'est nul en fait que nous donne les grenouilles. Ouais, et c'est surtout un petit peu immonde. Oh, ouais, je peux dire. Oh, ça sent mauvais. Ah, vas-y, ça me dégoûte. Ouais. Ah, voilà, on va aller chercher dans d'autres forêts ou dans d'autres environs. Ici, c'est trop tard.
Ah, j'en ai déjà. Ah, j'en ai marre des brunes moustiques. Au royaume à carte. Ah, je crois que à Colossal Crops il y a des sangliers. Ah, enfin de la bonne bouffe. Il faut être discret parce que eux ils peuvent vraiment sanglier. Ah, l'attaque. J'ai touché. Tué. Ok. Ah okay. Oh, ouais. Oh, attends, ouais. Attends, garde-en. Il faut regarder. Attends. De toute façon, là-bas, il y a des sangliers. Ouais. Je pense qu'il y a des loups autour, non? On n'a toujours jamais fait le tour de notre cité. J'espère pas croiser des loups. Enfin, j'espère croiser des loups, mais il faut être prudent. Pour les tuer. Et sûr de pas les apprivoiser. Oui, mais... Ça ne sert à rien. Mais il faut se cacher quand on en voit, parce que les loups, ils sont vraiment dangereux. Et oui, ils peuvent nous attaquer à tout moment. Même si on n'a rien fait. Même si on leur donne de la bouffe. Ils nous attaquent comme... Les loups, ils sont vraiment sauvages. Il y a quelqu'un là-bas. Une gardienne d'une tour. C'est, c'est quoi cet engin? Attends, je peux rentrer. Ah, vas-y, monte. Ok. Ah, si je sais pas conduire, je suis pas un pro avec la, avec la technologie humaine. Wow. C'est quoi ces engins là? J'ai cru que le monde était devenu sauvage. Pas toujours électronique. Bah, regarde, ici c'est sauvage. Il n'y a aucune voiture. Ah bah oui. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Ah, ok, ok, c'est bon. Il y a de la fumée. Ça commence à me faire peur ici. Regarde la tour là-bas. Ah bon? Ah, elle est géante. On devrait y aller après. Ouais, je vais essayer de tirer dessus. Ouais, notre pas. Petit. Il y a quelqu'un là? Il y a la quelqu'un. On n'est pas encore à Colossal Crops. Mais on y est presque. Il y a quelques mètres. J'ai faim. On va manger. Ça continue comme ça. On va manger toi. J'ai besoin par contre, commence pas à devenir sauvage. Non, mais viens, t'inquiète, à Colossal Crops, il y a... Moi, le sanglier. Ok. Non, mais t'inquiète, on est presque de Colossal Crops. Ok. C'est quoi ça? C'est Colossal Crops. Regarde, juste devant Colossal Crops. Sanglier. Moi voir sanglier. Regarde, ils sont là-bas, ils sont Moi peut-être. Ah, sanglier. Moi peut-être pas devenir cannibale. Ou peut-être si. Tu vas voir quand tu vas tuer ces sangliers, et ben tu vas plus être sauvage comme ça. Ok, il y en a trois, c'est parfait. Ah oui, trois. Sangliers. Ah, viande. Attends. Moi, fabriquer cap. Moi, besoin de viande. Moi, j'ai besoin. Regarde là-bas, il y a de la viande. Viande. Voilà. Viande. On en a plein. Maintenant, on va pouvoir manger.
Ok, on en garde un peu pour le, déjeuner de demain. Ah, je suis redevenu normal. Ouais, on en garde un peu pour le déjeuner de demain. Et pour aussi le midi de demain et le soir de demain. Et le lami, la lama. Lama tué. Moi tué lama. Lama être animal. Non, non, mais ça c'est une piñata, ça donne rien. Enfin, ça donne. C'est quoi, piñata? Piñata, en fait, c'est pas un vrai lama, ça. C'est, en fait, c'est un pot, et quand on le tue, il y a des choses à l'intérieur, mais il n'y a pas à manger. Au pire, vas-y, tu peux finir, je vais t'en passer de l'heure. Moi, ne plus avoir trop faim. Et moi, avoir encore un gros bout de viande. Ok. Ok. Bon, s'il te plaît, redeviens normal parce que tu me fais peur. Le lama est là-bas. Moi, tu es lama. Moi, ne pas aimer animal. Moi, pourquoi avoir une queue? Hop, non, j'ai en train de faire caca. Il est bizarre, lui. Oh, punaise, c'est qui me parle, là? Eh, tais-toi. Oh, ça me fait des guillis. Madame, mon ami, pourquoi, moi, avoir une queue bizarre? Oh, c'est parce que... Maëlle, c'est parce qu'en fait, ben, n'oublie pas que la dernière fois, on est allé dans une machine bizarre et que toi, t'avais eu des... Mes serpents sont toujours là. Moi, je vois pas. Mes serpents. Sur mes cheveux. Wow, t'es bizarre. Moi, te manger. Tout ok, t'es... Moi, avoir fini mon bout de viande. Moi, avoir faim. Non, tiens, je te passe de la viande. Mais moi, avoir besoin. Cher humaine. Arrête, Maëlle, qu'est-ce qui te prend? Moi, va te laisser en vie, mais la prochaine fois que si la prochaine fois je vais te voir, je vais te tuer, reprends tes bouts de viande périmés. J'ai déjà assez. La prochaine fois que je te vois, je te tue. Qu'est-ce qui est arrivé à Maëlle? C'est plus Maëlle. Je dois la sauver. Je dois la sortir de là. Mais j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Oh, c'est pas ce pistolet bizarre. Me dis pas que c'est Madame non sauvage. Hein? Je sens une odeur. Ça vient à l'intérieur de ces toilettes bizarres. Je dois tout faire exploser. Toi, je t'ai dit de ne plus me voir. Enfin, t'as capté. Et okay, je m'en fous. Je vais plus te voir. Okay, te venger. Ok. Raté. Ok. Par. Non.
Ne bouge plus. Moi, je te connais le coup de pied. Ah, pour avoir toujours mal. Moi, te redonne les coups de pied. Ah, pourquoi je t'en veux ? Je dois m'entraîner, moi. Yes, ça allait dans la tête. Parfait. Et tu vas rester là. Et tu vas crever. Non. Non. Arrête. Désolé, Baïm. Ah, c'est quoi ça ? Mohamed Cav. Cap me soigner. Moi l'observer. Moi tirer. Oh, y'a la Batman. Toi ne pas t'échapper. Moi te donner bout de viande. Si toi ne pas t'échapper. Et si moi m'échapper. C'est quoi? Mauvaise voiture. Sais pas, mais ça l'a pas tué en fait. Elle a juste endormi. Bon, maintenant qu'elle est endormie, je vais lui enlever. Enfin, elle sera encore sauvage, mais ça veut dire elle sera pas démon comme ça. Allez, viens là, je vais te réveiller et normalement tu seras plus comme ça. Qui va réveiller? Sanglier, il est où Sanglier? Non, salut Lara Croft. T'étais devenu méchant, tu voulais me tuer, du coup je t'ai endormi et je t'ai sauvé. Ah, moi manger bout de viande. Oh, petit truc noir. Miam. On s'en fout du petit truc noir. Miam. Moi, te manger. Je te réveille. Ah, qu'est-ce que c'est passé? Attends, moi je vais remanger ma viande. Non. On va échapper. Viens là, trouillard. Je me sens pas bien. Mais viens, dégage. J'ai repris mes esprits. Oh. Attends. C'est à cause de ce bout de viande. C'est ce bout de viande. Ces sangliers étaient bizarres. On doit plus les prendre. On va aller chasser des loups. Attends, là je dois aller manger. Ok. Moi te dire adieu. Moi te dire une retrouvaille dans l'autre forte sauvage. Ok, Madame Gentil Lara Croft, mon amie. T'es encore un petit peu bizarre, mais ok, au revoir. Bah, à plus tard. Bon, maintenant elle est partie. Et maintenant, je vais aller chasser des loups. Voilà que le premier épisode de Force Sauvage se termine. Dites-moi si cette série vous plaît. Mais en tout cas, Force Sauvage n'est pas prêt de se finir. À suivre. Dans Force Sauvage, épisode 2.